Donc, je vous remercie très vivement, chers auditeurs, d'être présents avec nous ce soir. Cette conférence est la suite de la conférence grand public que l'on avait organisée l'année dernière, où on avait pu vous présenter quelques thérapies complémentaires qui sont proposées aux patients du Centre Léon Bérard. Donc, on va continuer ce soir avec la présentation de diverses thérapies. Cette réunion avait été imaginée au départ sur un format mixte, présentiel et distanciel. Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles nous ont contraints à réduire cette réunion à un format uniquement distanciel. Voilà, nous espérons vivement que les progrès en termes de thérapeutique et l'avancée des vaccinations nous permettront rapidement de nous retrouver en présentiel. Donc, pour introduire cette réunion, je vais vous parler en quelques diapositives de la consultation d'oncologie intégrative que j'anime au Centre Léon Bérard depuis 2 mois. Donc, qu'est-ce que l'oncologie intégrative? C'est l'association de l'oncologie conventionnelle avec les thérapies complémentaires. Donc, c'est vraiment des traitements qui sont en complément et qui ne sont surtout pas pris selon un mode alternatif. Alors, il est tout à fait important d'ouvrir le dialogue entre l'oncologue et le patient sur les thérapies complémentaires. On sait que les professionnels de santé doivent être proactifs dans les discussions sur les thérapies complémentaires, car il y a vraiment un risque de perte de chance si les patients testent par eux-mêmes certaines thérapies. Et puis, on sait que l'accompagnement de ces patients vers les thérapies complémentaires améliore l'observance des traitements conventionnels. Alors, il y a des obstacles vis-à-vis des thérapies complémentaires pour les oncologues. Le premier, c'est clairement le risque d'interaction avec les traitements anticancéreux. Il y a beaucoup de thérapies où il y a une insuffisance de démonstration d'un bénéfice, mais les études randomisées menées à ce sujet ont beaucoup de mal à montrer un bénéfice comme peut le montrer, par exemple, un médicament. Et puis, on a tous un manque de temps et puis, très souvent, un manque de connaissances. Et par ailleurs, on sait bien que les patients souhaitent être informés par les oncologues des possibilités de thérapie complémentaire. Donc, c'est quelque chose qui nous a paru important de développer avec les années au Centre Léon Bérard. D'autant plus qu'il y a maintenant des recommandations internationales pour l'utilisation de cette fameuse oncologie intégrative et donc de ces thérapies complémentaires. Pendant les traitements du cancer du sein, les sociétés savantes internationales ont publié récemment des recommandations avec des arguments qui grandissent en faveur de l'utilisation des thérapies complémentaires, surtout les thérapies du corps et de l'esprit, comme soins de support véritablement efficaces. Pour autant, ces mêmes recommandations insistent sur le fait que de nombreuses thérapies n'ont pas été encore suffisamment étudiées. D'autres articles insistent sur la possibilité, pendant les traitements du cancer du sein, du cancer colorectal, d'utiliser ces thérapies complémentaires pour améliorer les difficultés psychosociales, que ce soit la dépression, l'anxiété et également l'amélioration du bien-être. Un certain nombre de thérapies complémentaires aident à diminuer les effets secondaires des traitements oncologiques. Ces thérapies complémentaires peuvent aussi parfois aider à augmenter ce qu'on appelle la dose-intensité de la chimiothérapie et puis peuvent aussi diminuer le recours aux antalgiques morphiniques ou non morphiniques. Dans ce contexte, nous avons donc développé au Centre Léon Bérard, et depuis plusieurs années, donc une offre de thérapie complémentaire et nous avons créé dans ce contexte également un groupe de travail pluriprofessionnel. L'offre interne au Centre Léon Bérard s'est ainsi étayée au fur et à mesure des années. Vous allez entendre parler ce soir notre socio-esthéticienne qui parlera donc des soins de bien-être, qui comprennent aussi la socio-coiffure, qui se font en chambre et en institut et qui existent depuis plusieurs années. Vous avez entendu l'année dernière notre art-thérapeute vous présenter les ateliers d'art-thérapie. Vous entendrez ce soir l'intervention de la sophrologue qui intervient essentiellement en pédiatrie. L'année dernière, nous avions tous fait un atelier de méditation pleine conscience. C'est une prise en charge qui continue également.
Vous entendrez parler ce soir d'hypnoanalgésie, de la consultation d'hypnose et de la réalité virtuelle. Nous avions parlé l'année dernière d'acupuncture. Nous avons depuis quelques mois une réflexologue plantaire. Nous avons développé également avec les années des protocoles d'aromathérapie clinique. Nous allons également en parler ce soir. Et nous sommes site pilote, pour une application digitale de soins de support qui s'appelle My Charlotte. Évidemment, ces thérapies complémentaires ont été mises à mal pendant le Covid, pendant les différents confinements, mais nous avons eu à cœur de tout reprendre dès que possible et notamment dès que nous avons pu avoir la vaccination pour l'ensemble des protagonistes. C'est ainsi que, pour étayer cette utilisation de thérapies complémentaires, nous avons donc ouvert une consultation d'oncologie intégrative. Quels sont les enjeux de cette consultation? D'abord, pour quel patient? Vous qui êtes auditeur ce soir, qui peut aller à une consultation d'oncologie intégrative? Probablement en cas de symptômes difficiles, symptômes réfractaires qui persistent avec un traitement classique qui est bien conduit. Il va être important de choisir ce symptôme pour essayer vraiment de travailler de manière fine et d'obtenir un résultat durable. Également, les patients qui se questionnent sur l'utilisation des thérapies complémentaires, qui souhaitent utiliser telle ou telle thérapie, mais qui veulent avoir l'aval ou en tout cas ouvrir la discussion avec leur oncologue. Il est important aussi, pendant ces consultations, qu'on parle de sécurité et puis qu'on prévienne les fausses idées. D'abord, naturel, ça ne veut surtout pas dire sans risque. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit qu'un produit est naturel que vous ne risquez rien. Et il y a beaucoup d'interactions défavorables entre des produits dits naturels et tous les traitements spécifiques que nous, oncologues, allons être amenés à vous prescrire. Une thérapie complémentaire, ce n'est jamais une situation d'urgence. Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a un effet placebo que c'est inefficace. Et enfin, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves que c'est sûr que ça ne marche pas. Au final, à quoi sert cette consultation? À améliorer la santé, la qualité de vie et le devenir des patients. En analysant les symptômes, on l'a dit, qu'ils soient liés au cancer ou au traitement. Également, en entendant la demande de thérapie complémentaire, quels sont les souhaits éventuels, quelles sont les attentes, quelles sont les thérapies complémentaires qui ont déjà été utilisées. Il va être important de se fixer des objectifs ensemble et tout cela ayant pour but de favoriser le maintien et le retour dans la vie active pour aider les patients à devenir acteurs de leur prise en charge. Ce sont des consultations longues qui sont un véritable temps d'écoute active pendant 45 minutes à 1 heure pour au final aboutir à une proposition d'une offre individualisée de thérapie complémentaire en privilégiant celles qui ont un rationnel scientifique et celles qui ont été étudiées dans le domaine de l'oncologie. C'est le modèle de la décision partagée. Et moi, j'aime la phrase « proposer le bon soin au bon patient au bon moment ». Le cas échéant, on orientera les patients vers les structures existantes en privilégiant toujours celles que nous connaissons, par exemple les espaces ligues que l'on trouve dans différentes villes autour de nous. Donc, parlez-en à votre oncologue, parlez-en à votre chirurgien, à votre radiothérapeute ou à votre infirmière coordinatrice. Voilà, donc on va maintenant écouter les différents intervenants et puis donc vous pouvez envoyer vos questions, vos remarques, vos réflexions sur le chat et on prendra à la fin de la conférence un temps pour répondre à vos questions. Voilà, donc je vais passer la parole au docteur Isabelle Martel-Lafay. Et qui est radiothérapeute au Centre Léon-Bérard, et à Franck Rigvert, qui est cadre infirmier au Centre Léon-Bérard, qui vont parler de l'apport de l'hypnose et de la musicothérapie.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Comme Bénédicte vous l'a dit, je suis radiothérapeute ici même au Centre Léon Bérard et j'ai par ailleurs été formée en hypnose médicale. Donc, c'est le sujet dont je vais vous parler ce soir, particulièrement orientée sur la cancérologie, évidemment. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est un état de conscience modifié. L'attention est détournée et du coup, le patient est plus apte à écouter les suggestions que le thérapeute peut lui faire. Il faut différencier plusieurs types d'utilisation de l'hypnose. L'hypnoanalgésie qui est axée essentiellement sur la douleur, notamment sur la douleur provoquée par les soins. Et puis l'hypnothérapie qui peut être considérée comme une sorte de psychothérapie qui fait partie des thérapies cognitives brèves et qui se fait auprès d'un professionnel qui a été plus spécifiquement formé et qui est souvent psychologue à la base. Alors, comment l'hypnose agit? Elle agit sur le cerveau non conscient. Donc, le patient se laisse faire et se laisse embarquer dans l'hypnose. Il n'agit pas volontairement pendant la séance d'hypnose. Les représentations mentales qui sont déclenchées par les suggestions faites par le thérapeute prennent le contrôle du comportement du patient. Alors, il faut bien faire attention, l'état de transe hypnotique est un état d'hyper-contrôle, en fait. L'activité imaginaire du cerveau modifie les perceptions perçues par le corps, mais ça n'a rien à voir avec un état de relaxation ou de sommeil, même si l'hypnose, ça peut faire penser à sommeil. Et il y a effectivement plusieurs examens d'imagerie. Alors, auparavant, c'était des imageries plutôt fonctionnelles. Maintenant, on a des images type IRM ou PET scanner, où on peut voir vraiment les images, qui mettent en évidence une hyperactivité cérébrale. Il s'associe, quand le patient est sous hypnose, une diminution de l'activité des réseaux de neurones qui sont tournés vers l'environnement. Donc, c'est comme un peu si le patient était plus replié sur soi, plus attentif à lui et avec une augmentation de la connectivité des réseaux du soi, tout en étant très attentif et très présent aux suggestions qui lui sont faites. Alors, voilà par exemple un exemple d'IRM qui a été faite. Et vous voyez que pendant une séance d'hypnose, en fait, il y a des zones qui s'activent. On les connaît. Alors, je ne vais pas vous donner tous les noms latins de ces différentes zones, mais elles correspondent effectivement aux zones qui s'activent quand on fait une séance d'hypnose et qui permettent d'expliquer l'action et l'efficacité de l'hypnose dans plusieurs situations. Alors, le déroulement d'une consultation, comment cela se passe-t-il? Il y a d'abord évidemment une prise de contact, on fait connaissance avec le patient. Et puis après, ce qui est très important, c'est la définition d'un objectif commun. Il faut venir à une séance d'hypnose médicale avec un objectif. On ne va pas faire de l'hypnose juste comme ça pour faire de l'hypnose, parce que ça, c'est vraiment voué à l'échec. Ensuite, une fois qu'on a déterminé l'objectif, la séance classique comporte trois phases. La phase d'induction, donc, qui va permettre de mettre le patient en transe hypnotique. Pendant la transe, on va faire le travail sur le sujet donné, sur l'objectif donné. Et ensuite, bien évidemment, on va faire revenir le patient. Une fois que tout ça est fini, on va débriefer avec lui comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a ressenti, est-ce qu'il se sent mieux, etc. Alors, les principales indications en cancérologie, ce sont les anxiétés, les phobies, notamment lorsque les patients doivent passer des examens, je pense particulièrement à l'IRM qui, avec son tunnel le plus souvent fermé, est source d'angoisse. Ça peut être le cas aussi en radiothérapie parce qu'il faut rester sans bouger, il y a l'appareil qui tourne autour, il y a un certain nombre de radiothérapies qui se font avec un masque qui peut être assez oppressant et assez difficile à supporter. Ça peut être également toutes les douleurs provoquées par les soins, alors toutes les ponctions de chambre implantable, ponctions lombaires, etc. Les douleurs chroniques, qui peuvent être séquelaires d'un certain nombre de traitements. Et puis, comme vous allez le voir plus en détail, certaines opérations peuvent également être réalisées sous hypnoanesthésie, ce qui a l'avantage d'utiliser moins de produits et d'avoir moins d'effets indésirables et un retour à la normale plus rapide. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'utilisation de l'hypnose médicale dans le contexte de l'oncologie. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à Franck qui va continuer un peu sur le même sujet. Merci, bonjour à tous.
Franck Rigvard, donc je suis responsable au bloc opératoire depuis quelques années. Merci. Voilà, donc depuis quelques années, on essaye au centre Léon Bérard d'améliorer l'accueil des patients au bloc opératoire, de diminuer leur anxiété, d'autant plus que dans notre bloc, les patients arrivent au bloc debout, avec donc moins de prémédication ou pas du tout. Donc le contact est très important. Dans ce cadre-là aussi, nous avons développé depuis un an des chirurgies du sein sous hypnose. Je vais me permettre donc d'utiliser la présentation d'une de mes IA, de la Fanny Mercier, qui est un DU d'hypnose et qui est pilote du projet. Donc, dans des chirurgies du sein, depuis septembre 2020, nous avons fait à peu près 50 chirurgies, avec toujours un petit peu d'anesthésie, bien sûr, mais beaucoup moins, et des patients qui sont opérés sous hypnose. La chirurgie du sein étant ciblée par rapport à sa durée, par rapport à le fait que c'est une anesthésie qui est plutôt simplex, par rapport à d'autres spécialités. Malgré ça, nous souhaitons élargir ensuite le champ de l'hypnose au bloc, en pédiatrie, à l'UAV, qui est notre unité de pose de voix centrale. Nous allons développer tout ça. En tout cas, sur les 50 patientes qu'on a opérées là, depuis un an, on a des très bons résultats. En péropératoire, le VA est à 3 sur 10. Les 85% des patients qu'on a hypnotisés et qui ont eu ce genre d'intervention recommandaient cette pratique. À ce jour, on tâtonne encore un petit peu sur le parcours et on aimerait beaucoup mettre en place une consultation avant le geste et avant l'hypnose. Ça n'a pas encore été mis en place par manque de temps, de disponibilité du personnel. C'est notre objectif pour l'année prochaine. Bon, malgré ça, on arrive quand même à voir la plupart des patientes la veille de leur intervention quand elles viennent faire un repérage au centre. Mais une vraie consultation serait vraiment un plus, je pense. Donc, les bénéfices, c'est de diminuer l'anxiété, un meilleur vécu du geste. Et une récupération plus rapide, bien sûr, car moins de produits anesthésiques. Moins d'effets secondaires aussi. Et pour le personnel, pour l'équipe, c'est aussi apporter de nouvelles techniques une nouvelle technique de prise en charge, d'apprendre ces nouvelles techniques et de donner une dimension plus humaine à notre pratique. L'ambiance est plus posée, plus agréable dans la salle. C'est très important et ça nous permet de travailler encore dans de meilleures conditions. Dans ce cadre-là, je voudrais souligner aussi qu'au centre, on a mis en place une formation qui est ouverte à tous les personnels du bloc opératoire, une formation de communication thérapeutique, hypnose conversationnelle, qui est ouverte à vraiment tous les protagonistes du bloc, que ce soit du brancardier ou chirurgien. Tous les ans, on a une quinzaine de professionnels qui sont formés à ça et qui vont participer justement à cette ambiance plus agréable, plus posée, qui est très importante lors de l'hypnose dans la chirurgie. Donc, c'est plutôt un beau projet qui est réussi, qui est porteur de perspectives. Bien sûr, il y a des axes d'amélioration à affiner, notamment au niveau du parcours du patient, du début de la consultation chirurgicale, quand on peut proposer ce type de prise en charge jusqu'au geste. Je pense qu'il y a encore un petit peu des choses à améliorer. En tout cas, la croissance, les demandes sont très fortes, hein, au niveau des patients.
On a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, du coup, il faut renforcer un petit peu les équipes. On a déjà deux médecins qui ont un DU d'hypnose, deux médecins anesthésistes, quatre IAD, et on en forme toutes les années, un peu plus, pour pouvoir répondre à la demande. Il faut aussi qu'on travaille sur les problématiques des patientes qui sont récusées, qui souhaitent vraiment ce genre de prise en charge, mais pour des raisons diverses et variées, ça ne correspond pas. Voilà. Je vais enchaîner sur une autre présentation. Je veux bien un petit coup de main pour ne pas faire de bêtises. Merci bien. Voilà, la musicothérapie, c'est toujours dans le même cadre de travailler sur l'amélioration de l'accueil des patients, de la gestion de leur anxiété lorsqu'ils arrivent au bloc opératoire. On a essayé à un moment des casques de réalité virtuelle, notamment lors de la pose de voix centrale, de chambre implantable. Les patients bougeaient un petit peu la tête avec les images, le casque, et vu qu'on intervenait vers le cou, c'était gênant pour l'opérateur. Donc, on a essayé de chercher un petit peu d'autres moyens qu'on pouvait adapter pour faire vivre un meilleur vécu pour le patient. Et donc, on est tombé sur l'appareil de la société Musicare, qui est une application musicale qui est spécialisée dans la gestion de la douleur et de l'anxiété, qu'on a essayé, qu'on a mis en place en l'été 2020. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et nous avons fait une analyse après quelques mois d'utilisation que je vais vous présenter là. Donc, qu'est-ce que c'est la Musicare? C'est en fait des mélodies que le patient écoute à travers un casque qui est branché sur une tablette. La mélodie est travaillée afin d'obtenir un état de conscience modifié. C'est plus de la suggestion verbale comme de l'hypnose, mais c'est remplacé par une induction musicale. C'est des techniques qui ont été déjà démontrées dans de nombreuses études qui se déclinent en trois séances qu'on peut choisir, une de sommeil où ça va partir d'un rythme un peu plus cadencé qui va petit à petit baisser en termes d'intensité, en termes de tempo, en termes de nombre d'instruments pour plonger le patient dans un état proche du sommeil. Nous avons aussi au milieu là une fonction en U, on dira, où nous avons la même chose, puis au bout de quelques temps, la musique se réintensifie et fait réveiller un petit peu le patient. Le troisième scénario part de quelque chose de très faible, très bas, et puis augmente un petit peu. On s'en sert en salle de réveil notamment de ça. Donc, ce programme de musicothérapie est imaginé comme une séance de suggestion mentale. Comme je vous l'ai expliqué, une alternance de rythme stimulant, lent ou modéré, sur une durée qui est ajustable en fonction du soin. C'est une séance qui dure entre 20 minutes et une heure. C'est le patient qui choisit sa musique en fonction de ses goûts. Il y a un grand choix de type de musique. Et puis le soignant, en fonction du type de geste qu'il y a à accomplir, va lui programmer la durée. La musique agit sur des zones de récompense du cerveau. Elle stimule la production d'endorphines, dopamine. Elle diminue celle de la mélatonine. Donc, des indications sur la douleur, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, les troubles du comportement, l'Alzheimer. Donc, au bloc opératoire, on a identifié, bien sûr, plein de possibilités de gestes où on pourrait avoir un bénéfice, qui sont bien sûr des gestes sous anesthésie locale, des petites chirurgies plastiques, des gastro ou des rectoscopies, des drains thoraciques, de la radio interventionnelle, des poses de voix centrale, des chirurgies sous anesthésie loco-régionale, de l'anxiété avant une intervention, un réveil anxieux en salle de réveil,
Et puis, pourquoi pas aussi à l'extérieur du bloc. On a réussi à avoir trois tablettes et l'idée, c'était vraiment de les tester et de trouver toutes les possibilités d'indications qui pourraient être bénéfiques pour nos patients et de ne pas se limiter au bloc. Le fait de pouvoir aussi faire bénéficier d'autres services permettait aussi de rendre le projet plus viable pour nous sur un long terme. Sur les poses de voie centrale, donc, on a eu un bénéfice assez modéré sur l'anxiété et la douleur, mais les patients quand même assez satisfaits. En endoscopie digestive, vraiment un chouette bénéfice. Ce qu'on a fait, c'est que pour chaque évaluation, pour chaque fois qu'on utilisait l'appareil, on remplissait une petite fiche avec le type de geste pour lequel on mettait la musicothérapie. On faisait évaluer le patient, on laissait s'auto-évaluer sur son anxiété, sur sa douleur, avant et après la séance. Et puis on récupérait aussi ses émotions, ce qu'il nous en disait. Donc, en endoscopie digestive, sur l'anxiété, un chouette bénéfice. Encore plus en radio interventionnelle, des auto-évaluations de la douleur qui diminuaient de moitié au niveau de l'anxiété. Des patients qui étaient très, très, très contents, d'autres qui s'endormaient pendant le geste. En chirurgie sous anesthésie locale, c'est plus mesuré, dans le sens où il semble que le bénéfice est plutôt modéré quand c'est associé à un geste qui est douloureux. Je pense au drain thoracique, où on n'a pas vraiment pu vraiment trouver de bénéfice. Là, je pense que la douleur gommait un petit peu le bénéfice de la séance. Et on a eu d'autres difficultés au bloc opératoire aussi. Les équipes du bloc ont vraiment du mal à prendre le temps d'expliquer aux patients comment ça va se passer, comment utiliser la tablette, installer l'appareil. On a quand même des bons résultats, mais il y a des choses à améliorer. Au bloc, c'est pas toujours optimal. En salle de réveil, on a eu aussi de chouettes résultats sur des patients qui se réveillaient très anxieux. Et y en a même qui demandaient une deuxième séance avant leur retour en service. C'était assez apprécié. Et en dehors du bloc, on a fait plusieurs essais, notamment à l'UGEI, notre unité d'urgence. Et là, ça a vraiment pris très, très bien. Souvent, les patients qui arrivent là-bas sont dans un état d'angoisse, d'anxiété importante. Ils ont des gestes aussi, des ponctions, des examens qui vont être associés à leur prise en charge. Et donc, l'équipe a vite trouvé l'outil pratique et très, très utile et très efficace. Des très bons commentaires des patients et même des demandes spontanées de patients qui revenaient à l'UGEI et qui demandaient d'emblée, souhaitaient de bénéficier d'une nouvelle séance. Donc, c'est assez chouette. En service de médecine aussi, pour des toilettes, des pansements, des insomnies, Ils ont testé l'appareil pendant quelques semaines et en ont été vraiment ravis. L'appareil a été vite adopté par les équipes, surtout en particulier les équipes de nuit. C'est vrai que l'indication, par exemple, des insomnies, c'est des difficultés à s'endormir le soir, c'était quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé quand on a commencé ce projet-là, mais a priori ça marche très très bien et les patients qui demandent, qui s'approprient l'outil, c'est assez a priori une très très bonne indication aussi. Du coup,
peut résumer tout ça par au bloc opératoire, quelques difficultés de mise en place, car c'est un petit peu chronophage pour les soignants. Au bloc, c'est vrai qu'on est dans un rythme qui est toujours pas propice au... On devrait prendre plus le temps, mais c'est des habitudes à changer, une culture à investir. Certains opérateurs aussi ont un peu du mal avec la perte de contact avec le patient. Pour les poses de voix centrale, on a aussi quand même un peu moins qu'avec la réalité virtuelle, mais je suis quand même été toujours un peu gêné par le problème du casque au niveau des champs opératoires. Ça gêne un petit peu l'opérateur. Malgré tout, on retrouve quand même des indications très efficaces. Hein, et je redis la radio interventionnelle, l'endoscopie. Il y a vraiment des chouettes résultats. Mais par contre, dès qu'il y a un geste douloureux associé, l'aspect douloureux du geste gomme sûrement le bénéfice de l'appareil. À l'extérieur du bloc, des chouettes résultats, ce qui nous fait dire qu'il faut qu'on développe ça aussi sur tout le centre. Ça allait être très apprécié des équipes c'est très efficace dans les situations d'angoisse. L'utilisation la nuit pour les insomnies semble vraiment être une bonne indication. Les patients... patient qui a déjà utilisé l'appareil se l'approprie facilement. Il peut même anticiper en demandant une séance à l'approche d'une arrivée d'une situation anxiogène. On peut dire que c'est quand même une chouette réussite. La bonne nouvelle de cette semaine, c'est que je viens d'apprendre qu'on va pouvoir bénéficier d'un budget plus important et pouvoir vraiment en faire bénéficier tous les services demandeurs, puisqu'on va passer en 2022 de 3 à 10 appareils. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles présentations et puis pour cette bonne nouvelle de la dernière diapositive. Je crois qu'on arrive bien quand même à voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes indications. Il y a un nombre important de soignants au Centre Léon Bérard qui est formé à l'hypnoanalgésie, coordonné par le docteur Martel Laffey, par Evelyne Arbiol, qui est infirmière douleur. Ces soignants ne sont pas toujours disponibles, ne peuvent pas toujours mettre en place les techniques auxquelles ils ont été éduqués. Et puis, on voit bien que la réalité virtuelle, il y a probablement un levier très important sur l'anxiété. Et ça, vous l'avez vraiment bien démontré, Franck, probablement moins sur la douleur, en tout cas pas sur la douleur intense. C'est vraiment un outil dont se sont saisis les soignants. La réalité virtuelle, ça fait du bien aux patients et nous, on dit que ça fait aussi du bien aux soignants dans un monde où le temps des soins est compté, où la disponibilité est difficile et où on peut parfois manquer de personnel. Les soignants de toutes les unités se sont saisis de ces casques de réalité virtuelle et un patient qui va mieux, c'est un soignant qui va mieux. Donc, on est très, très, très content de pouvoir bénéficier de plus de casques un petit peu sur tous les étages. Voilà, pour l'instant, nous sommes bien dans le timing. Je vais donner la parole à Christelle Fayard-Couturier, qui est sophrologue et qui va donc vous présenter son expérience de la sophrologie en oncologie et hématologie pédiatrique. Merci Christelle. Merci à toi. Alors, la sophrologie en oncologie et hématologie pédiatrique est présente à l'IHOP depuis 2003. Et avec Christine Klein, et j'exerce à l'IHOP depuis 2016. Donc, ça fait déjà un moment que la sophrologie est présente dans cet hôpital. Brièvement, les origines de la sophrologie, pour pouvoir vous la replacer. Elle existe depuis 1960. Elle a été créée par un professeur, Alfonso Caicedo, qui était neuropsychiatre. Il cherchait des solutions pour ses patients. Il n'était pas tout à fait content de ce qui se faisait en psychiatrie. Donc, il a beaucoup voyagé, s'est inspiré du yoga, de la méditation zen, de la psychologie, de la neurologie et de la phénoménologie.
Alors, la sophrologie, c'est quoi? Mettons que je vous ai dit d'où elle venait. C'est une méthode pratique. C'est une méthode pratique qui est destinée à mobiliser les potentiels de l'être humain en allant dynamiser de façon positive ses qualités et surtout ses ressources. Donc, quand on a pu s'appuyer sur ces ressources, elle permet donc de développer de nouvelles capacités d'adaptation aux nouvelles conditions de vie en société et ailleurs. Alors, la sophrologie en pédiatrie, ça sert à quoi? Alors, souvent, par la maladie et les traitements, le schéma corporel est biaisé. Et le but, ça va être de travailler justement sur ce schéma corporel, se réapproprier ce schéma corporel pour qu'il soit un peu plus juste et être plus conscient de soi. Donc, on va aller chercher qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui fait du bien. Et où est-ce que je peux trouver des zones de confort? Voilà, parce que parfois, sous l'effet de l'anxiété, on a mal partout. Et la question, ça va être peut-être qu'il y a des zones qui sont un peu plus confortables que d'autres. La sophrologie, c'est contacter et stimuler ses ressources. Donc, quand l'enfant connaît bien son corps, quand il apprend à mieux se connaître, il peut mieux profiter des bons moments. Il en existe encore malgré la maladie. Donc, nous, on va aller s'appuyer sur ces bons moments, tout en reconnaissant l'inconfort, toujours. Hein. On confond souvent la sophrologie avec une espèce de positivisme à tout craint. Et non, en fait, on va d'abord reconnaître l'inconfort et après, on va voir comment on peut trouver plus confortable. L'enfant, quand il se connaît mieux et quand il se réapproprie son schéma corporel, il devient alors acteur et il s'implique davantage dans les traitements et les soins, ce qui est vraiment apprécié justement par les soignants. L'enfant a moins la sensation de subir à ce moment-là. Une petite phrase que j'aime bien dire aux enfants, c'est que la sophrologie lui permet d'être un bon copain pour lui-même en se respectant et en écoutant ses besoins. Alors, sur quoi on va aller agir? On va aller agir sur le relâchement musculaire. Je parle volontairement de relâchement musculaire plus que de détente, parce que quand on est anxieux, fatigué, angoissé, si j'emploie le mot détente, il risque d'être inadapté. Donc, on va plutôt voir où est-ce qu'il y a des tensions et relâcher ces tensions à ce moment-là. La sophrologie, c'est plus une histoire de tension juste. On va aller travailler également sur la respiration. Si on regarde la respiration naturelle, c'est une respiration abdominale, souvent toujours avec stress, angoisse, anxiété. La respiration peut amener à changer. Donc, il ne s'agit pas d'éduquer la respiration, mais plutôt de la libérer en allant travailler donc, sur un rythme naturel et également avec des techniques de respiration comptées telles que la cohérence cardiaque, par exemple, des expirations prolongées et développer ainsi des facultés de récupération. Et on va travailler aussi en sophrologie avec de la visualisation. Alors, on parle de visualisation, mais ça peut être aussi axé à l'imagination. On n'est pas obligé de voir, on peut imaginer voir. Donc, des lieux connus, des souvenirs. Et ça peut être très guidé, comme ça peut être extrêmement libre également. L'enfant peut aller où il veut dans sa tête, et puis la voix du ou de la sophrologue va l'accompagner pour qu'il se serve de ses cinq sens à l'intérieur de cette image. Les champs d'application de la sophrologie en pédiatrie. La toute première, alors tout à l'heure, je vous disais qu'on éloignait le mot détente, mais souvent, c'est une des premières demandes, parce qu'il peut y avoir des problèmes de sommeil, parce que les enfants ne dorment pas bien. Donc, ils ont besoin souvent d'une voix pour les aider à glisser vers le sommeil. Mais le but est de les rendre autonomes toujours avec la pratique. Donc, je vais aussi leur enseigner des respirations qui peuvent les aider à s'endormir et se réendormir facilement le soir quand ils sont réveillés pour les surveillances de nuit, par exemple. Et puis, j'appelle aussi les sophrododos, ce qu'on appelle les sophrododos, parce qu'en sophrologie, on n'est pas censé endormir, mais très souvent, avec la fatigue des traitements, les enfants s'endorment. La sophrologie, c'est aussi l'accueil des émotions. Là, ce qui leur arrive au moment des annonces, quand la maladie débarque, c'est vraiment un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Donc, comment faire face à ce coup de tonnerre? Et puis aussi être vigilant parce que les parents et les enfants souvent se protègent. Et le but, ça va être de laisser un espace de parole, de ressenti et d'accueillir les émotions.
C'est là où intervient le travail en équipe, notamment en allant orienter vers les psys quand on se rend compte que, en sophrologie, on n'a pas toutes les casquettes pour accompagner, on peut accueillir une émotion, et s'il y a quelque chose de plus lourd derrière, on réoriente. Stress, angoisse, anxiété, bon, je les ai mis volontairement, vu le temps, dans la même petite ligne. L'hospitalisation est souvent vécue comme stressante et anxiogène. Donc, on va aller contacter l'inconfort généré par le stress ou l'anxiété, contacter les tensions et les relâcher, ce qu'on appelle par exemple des sophro-déplacements du négatif. Un des champs d'application également, c'est la douleur plus la douleur chronique. La douleur plus aiguë sera accompagnée en hypnose, comme on l'a vu tout à l'heure, ou en hypnoanalgésie. On va travailler sur une douleur plus installée en allant travailler sur différents axes, les angoisses, les tensions, les sensations et les émotions. On va s'appuyer sur des zones de confort ou les imaginer. Si je vous sers un exemple, par exemple, on imagine tous un mal de gorge. Et un mal de gorge, suivant le type d'angine, ça peut être une sensation où j'ai avalé un hérisson rouge, où j'ai l'impression que ça me brûle. Sur la respiration, on va aller travailler sur cette image, la faire réduire ou comme pulser l'inconfort à l'extérieur du corps. Et après, on va aller travailler sur une image confortable. Toujours sur l'image, par exemple, de la douleur de gorge, des fois, on va avoir envie ou de boire frais, ou de boire chaud, ou de s'enrouler dans un doudou. De la même façon, on va travailler avec cette image. Autre champ d'application, on peut préparer en amont les gestes techniques et les examens. Alors, c'est là où la frontière est mince avec l'hypnose. On va la travailler quand même de façon un peu différente, mais on peut quand même préparer les gestes techniques et examens et les phobies telles que les aiguilles, les prises de médicaments. Il y en a beaucoup en pédiatrie, des enfants qui n'arrivent pas à avaler les médicaments. Donc, il y aura aussi cette application. En sachant que justement là, par moment, peut-être que j'aurais besoin de travailler avec d'autres techniques telles que des techniques d'activation de conscience qui sont des techniques d'auto-hypnose. Les champs d'application auxquels on ne pense pas forcément en sophrologie, c'est accompagner les objectifs et les projets. Au-delà des traitements, maintenir la vie normale, que j'ai mis volontairement entre guillemets, si tant est que la vie normale veut dire quelque chose. Mais voilà, un enfant, un ado notamment, peut avoir un bac, un brevet, un permis de conduire à passer. Et donc, en sophrologie, on peut aussi préparer ces objectifs-là. C'est important parce que l'enfant peut, ou l'ado souvent là, peut avoir peur de se présenter devant un examinateur. Donc, on va travailler, par exemple, l'oral ou ses capacités ou sa mémorisation ou la façon de se concentrer. Et c'est une façon de préparer aussi l'après, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a la phase de traitement et puis après, quand les traitements lourds sont terminés et que la vie, paf, on dit de reprendre la vie. Donc justement, si avant l'enfant a pu passer son bac, passer son permis, se dire, eh ben voilà, moi après c'est ce que je veux faire, on aura pu préparer ça en sophrologie. Alors la question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'un enfant refuse la sophrologie? Ben oui. Alors, de façon un peu moins violente que l'image que je vous ai mise, mais ça arrive, l'enfant refuse. Alors, pour plusieurs raisons, par méconnaissance, souvent, donc il faut que j'explique à quoi je sers, parce que le mot sophrologie peut être confondu avec souffrologie, je l'ai déjà entendu, donc expliquer que je ne suis pas là pour accompagner que la douleur, il y a d'autres choses. L'enfant peut refuser par ras-le-bol, parce qu'en fait, il considère qu'il y a eu beaucoup de monde qui est passé dans sa chambre ce jour-là, et moi, je suis la personne de trop. Ça peut être parce que le parent n'y croit pas. Alors, on n'a pas besoin de croire en la sophrologie pour qu'elle fonctionne, mais c'est vrai que si je n'ai pas la confiance du parent qui sort de la chambre en disant bah, « vous pouvez toujours essayer votre truc, moi j'y crois pas, mais tentez », c'est un petit peu une planche savonneuse et c'est ça. Ça n'aide pas forcément pour la séance. Et puis, pour des raisons qui lui sont propres, l'enfant n'a pas besoin forcément de me dire pourquoi il refuse une séance. C'est non, point barre. Et je considère comme très sophrologique qu'il refuse. Là, à ce moment-là, il est en train d'écouter son besoin et ça peut être tout simplement « fichez-moi la paix ».
En pédiatrie, la sophrologie, c'est avant tout de la créativité et de l'adaptation. Donc là, c'est avec Mathieu qui avait d'autres pathologies que celles pour lesquelles il était à l'IHOP. Donc, il a fallu que je m'adapte vraiment. Et donc, par exemple, dans le cas de Mathieu, je prenais un doudou. Et partout où le doudou passe, ça faisait calme et respire. Et on voyait très clairement que Mathieu relâchait. Normalement, je suis censée rendre les enfants et les ados autonomes avec cette pratique. Il se trouve que peut-être que Mathieu n'était pas autonome et avait besoin de ce passage de doudou. N'empêche que chez lui, quand ses parents étaient énervés, il était en capacité de les regarder droit dans les yeux et leur dire « calme et respire ». Donc, on peut considérer que le message était passé. Une adaptation encore, avec une petite phrase volontairement humoristique. Aujourd'hui, je vais vivre le moment présent, sauf si le moment présent est désagréable, auquel cas je vais manger un cookie. Et bien, des fois, le besoin, ça peut être de prendre le temps d'une gourmandise et de la manger en pleine conscience. Voilà, la pleine conscience fait aussi partie de la sophrologie. Donc, une pensée pour Antoine qui a dû faire grimper les actions du relais H avec les beignets au Nutella. Les parents dans tout ça. Alors, la séance peut être familiale uniquement si l'enfant le souhaite. Si l'enfant a envie que papa ou maman reste, on peut faire la séance ensemble et ça fait du bien à tout le monde. Il peut arriver que la séance soit axée sur le parent à la demande des équipes et ça arrive notamment suite à l'annonce, quand il faut justement accueillir le tsunami émotionnel ou pendant un soin difficile. Je peux être des fois en accompagnement d'hypnoanalgésie, mais des fois, si c'est trop difficile, je peux être amenée à sortir avec le parent pour accueillir les émotions et la difficulté du parent à voir ce qui se passe pour son enfant. Et ce que j'appelle les temps de ressources à la volée, c'est que si je me suis occupée d'un enfant et que je croise dans le couloir un parent qui va mal, je ne vais pas le laisser retourner dans la chambre en allant mal. Le stress et l'angoisse sont communicatifs et heureusement, le calme aussi. En pratique, la sophrologie, c'est à partir de 5 ans. Les séances durent de 15 minutes à 1h15 à l'hôpital. Je vois en général les enfants de 1 à 5 séances, parfois plus. Les prescripteurs sont les médecins, les infirmières référentes, beaucoup, les équipes, les psys. Je vois entre 3 à 5 patients par demi-journée de présence. Voilà. Puis mes journées d'intervention, le lundi toute la journée, le jeudi après-midi et un vendredi par mois. La sophrologie en pédiatrie, c'est avant tout un travail d'équipe. Donc, je remercie beaucoup pour l'IHOP qui fait confiance à la sophrologie depuis tant d'années. Et beaucoup aussi les associations Appel, Albec, Rêve de Marie Dream pour l'AREA. C'est grâce aux associations si la sophrologie peut être là, puisque c'est pris en charge en fait, financièrement par des associations. Et je remercie les éditions du Bourdon qui ont permis que j'utilise les schémas d'un livret qui a été créé il y a quelques semaines, là, en accord avec l'IHOP et les médecins, financé par l'appel. Et en fait, voilà, vous pouvez retrouver certains soins de support de pédiatrie, donc la sophrologie, l'hypnoanalgésie, la réflexologie plantaire, l'ostéopathie, l'énergétique chinoise, l'activité physique adaptée et la socio-esthétique. Vous allez en savoir un peu plus avec Aurélie tout de suite après. Et en guise de conclusion, la sophrologie, c'est choisir avec quelle couleur nous allons dessiner sur notre toile. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Christelle pour cette belle présentation. Vous avez toujours des vertus apaisantes pour tout le monde. Vous avez bien montré à la fin toutes les associations qui existent en pédiatrie et qui participent aux soins de support. On a malheureusement moins d'associations et moins de financeurs dans le domaine des adultes. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure quand je vous montrais toutes les thérapies complémentaires qui étaient développées au centre Léon Bérard, c'est qu'il n'y a pas de financement institutionnel, que ce sont toujours des recherches de financement avec les associations, certains dons et legs également. Nous avons pu faire bénéficier nos patients de séances de sophrologie pendant un an et demi et nous avons dû arrêter faute de financement. Mais nous n'avons pas perdu l'espoir de recommencer. Je passe la parole à une des fées du Centre Léon Bérard. Elle vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Aurélie Delabre pour la socio-esthétique. Merci.
Merci. Après une introduction comme ça, je vais devoir sortir ma baguette. Donc je suis effectivement socio-esthéticienne sur le Centre Léon Bérard. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que la socio-esthétique. C'est la pratique professionnelle des soins esthétiques auprès de publics fragilisés, soit par la maladie, le handicap ou l'isolement social. Donc, dans le cadre de notre travail ici sur le centre, eh bien, les socio-esthéticiennes vont être orientées vers les femmes, les hommes, les adolescents ou les enfants touchés par un cancer, et ce, tout au long de leur parcours de soins. Donc, je vous ai partagé des paroles du professeur Ivan Krakowski, qui est oncologue et président de l'AFSOS, et qui disait que certains traitements médicamenteux peuvent avoir des conséquences sources de dégradation de l'état général des patients, et que quand ils sont intégrés au parcours thérapeutique et à l'équipe pluridisciplinaire, eh bien, les soins de beauté et de bien-être prodigués par une socio-esthéticienne présentent un soutien précieux pour les patients. Et puis, on a la chance d'avoir quelques études qui vont nous parler de tous ces bienfaits. Donc, ils nous disent que les effets secondaires de certains traitements médicamenteux sur la peau, les ongles ou sur la pilosité vont avoir des répercussions sur l'état psychologique des patients et notamment vont provoquer anxiété, frustration et puis entraver les relations sociales avec l'entourage. Nous avons également des études qui vont nous dire que près d'un patient sur deux confie une perte de morale liée aux modifications corporelles induites par les traitements. Que les conséquences désagréables des traitements sur la peau et plus généralement sur le corps peuvent, dans certaines situations, conduire le patient, avec l'accord de l'oncologue, mais parfois à abandonner certains traitements. Mais dans tout ça, on va quand même avoir le plaisir de voir que les soins de beauté vont réduire le nombre et l'intensité des effets secondaires des traitements contre le cancer et qui peuvent aider les patients à mieux les supporter et à se sentir mieux. On va également constater par ces études qu'en prenant soin de son apparence, de leur apparence, eh bien, certaines femmes déclarent retrouver confiance en elles et se sentir plus optimistes face à la maladie. Et la dernière étude que je voulais partager avec vous, c'est que les femmes qui bénéficient des soins de beauté 3 mois après une intervention chirurgicale, notamment des mastectomies, vont déclarer être plus à l'aise avec leur image corporelle. Alors, forte de toutes ces études et ces écrits, c'est vrai qu'on peut, dire aujourd'hui que les traitements du cancer connaissent des progrès constants, mais que quand même certains vont pouvoir générer des effets sur la peau, sur les cheveux, les ongles, qui sont d'autant plus gênants pour les personnes qu'elles sont visibles et donc elles sont stigmatisantes. On va souvent rencontrer ou venir nous voir pour des problématiques de sécheresse cutanée sévère, des problématiques de crevasses, des effets de photosensibilisation. L'onycholyse, hein, qui est... Ça, c'est le terme technique, mais c'est des problématiques sur les ongles, des ongles qui se décollent avec certains traitements, des effets de poussée de boutons qu'on appelle la folliculite, de l'hypertrichose, la pilosité plus importante, des syndromes main-pied. Et puis, on va aussi venir nous voir pour prendre soin de sa cicatrice ou accepter après une chirurgie. Alors évidemment, ces problématiques pour lesquelles on vient nous voir, on va pouvoir conseiller, aiguiller les patients dans la mesure de nos compétences. Si ça dépasse un certain stade, évidemment, notre rôle est de réorienter ces patients vers des professionnels plus compétents que les nôtres, enfin, que ce qu'on va pouvoir faire. Il faut savoir reconnaître nos limites en tant que socio-esthéticienne. La demande également, c'est que les patients vont, patients ou patientes d'ailleurs, vont venir nous voir lorsqu'il y a perte des sourcils et des cils. C'est quelque chose qui peut arriver avec certains traitements qui arrivent plus tardivement, souvent dans les soins. Souvent, c'est une perte qui est progressive, qui arrive plutôt après la chute des cheveux notamment. Mais qui va avoir son importance parce qu'elle elle va complètement changer le regard de la personne, l'intensité, l'expression, et puis qu'on va pouvoir lui donner des outils pour être autonome et pour pouvoir se retrouver dans le miroir.
Donc, les objectifs de la socio-esthéticienne, ça va être d'accompagner par nos conseils pour prévenir les effets de ces traitements contre le cancer. On va pouvoir également nous appeler pour des prises en charge douloureuses. On l'a vu avec la sophrologie, avec l'hypnose, mais effectivement, sur des actes invasifs, on va être par le toucher comme une prise en charge non médicamenteuse de la douleur. On va travailler sur le soulager, diminuer le stress, l'angoisse, les tensions, et on va essayer de réintroduire un sentiment de bien-être, remettre aussi les personnes en valeur, leur redonner confiance, qu'elles se reconnaissent dans le miroir. Puis parfois, apprivoiser un schéma corporel qui a pu être modifié par les chirurgies, favoriser la relation à l'autre pour qu'on soit bien avec les autres, et bien, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et on va essayer de créer une parenthèse, un peu de douceur, oublier la maladie, réinvestir le corps par la notion de plaisir, parce que le corps, quand il subit des actes invasifs ou douloureux, et bien, on peut finir par oublier qu'il peut aussi être vecteur de beaucoup de bien-être, de détente. Donc, en fonction des souhaits du patient et des recommandations de l'équipe soignante ou médicale, la socio-esthéticienne, elle va proposer gratuitement un moment de détente, un temps d'échange et des conseils techniques. Parmi les soins qu'on va pouvoir proposer, ça va être des soins visage, des soins des mains, des pieds, tout ce qui va être de l'ordre du maquillage ou du maquillage correcteur, les massages de toutes les parties du corps, du dos, des mains, des bras, des jambes, des conseils face aux effets secondaires des traitements, des conseils pour les cicatrices, comment je retouche cette zone, comment je la regarde à nouveau, comment je peux camoufler une cicatrice qui serait visible. Et puis, on va être un petit peu en dehors du médical, donc on va avoir une écoute qui va être non médicalisée. Et puis également, les socio-esthéticiennes vont pouvoir intervenir dans les ateliers d'éducation thérapeutique du patient. Donc, toutes ces actions vont avoir lieu soit en individuel, soit en atelier collectif. Donc, sur le centre Léon Bérard, on a la chance d'avoir deux espaces dédiés pour recevoir nos patients en rendez-vous. Donc, ce premier espace, c'est l'espace du hall 1 qui se trouve vers les Ries. Et puis, la Maison des Bonnes Fées, qui est le deuxième espace, qui se trouve 13 rue Seigne-Martin. Donc, voilà deux espaces qui permettent de sortir le patient de leur chambre, parce que nous accompagnons également, nous intervenons aussi en chambre d'hospitalisation, même en stérile d'ailleurs. Nous sommes également présentes sur l'hôpital de jour pendant les traitements en box pour les conseils et pour les soins. Et puis, comme Christelle le disait tout à l'heure, en oncopédiatrie, auprès des ados, auprès des jeunes adultes et auprès des enfants. Donc, je vous ai mis quelques témoignages. Évidemment, pour nous contacter, nous sommes joignables par téléphone, par mail. Les rendez-vous peuvent être pris par les patients eux-mêmes, mais les patients peuvent être également orientés par l'équipe soignante. Donc là, c'est le témoignage d'une patiente qui explique avoir ressenti du bien-être et de la détente, qui était très angoissée à l'arrivée de ses premières chimiothérapies à l'hôpital de jour. Et que du coup, ça lui a permis aussi d'avoir des conseils pour se retrouver un petit peu féminine et de garder le moral. J'aime beaucoup cette dernière phrase où elle dit que c'est un moment privilégié dans une période difficile. Et c'est aussi important d'avoir ces moments un peu ressources, un peu bien-être. Voilà, que leur venue au centre ne soit pas que des souvenirs ou des choses désagréables. Qu'elles puissent aussi trouver en venant vers nous des choses positives et de l'ordre du bien-être. Une autre patiente qui nous explique que c'était une parenthèse, que le temps passait plus vite, notamment sur des chimiothérapies qui peuvent parfois être longues, où on arrive le matin sur l'hôpital de jour et on part parfois tard en fin de journée, que c'était un temps de détente et que ça a permis à sa journée de passer beaucoup plus vite.
Puis je vous ai mis un dernier témoignage d'une jeune fille de 15 ans en chambre stérile. Donc, il faut savoir que ces enfants, quand ils sont en chambre stérile, ils ne sortent plus de leur chambre pendant quelques semaines. Voilà, pareil, elle nous explique que c'était une petite pause dans sa journée. Donc, pour nous présenter un petit peu plus, on est deux socio-esthéticiennes sur le centre Léon Bérard. Il y a Agnès qui est plus sur les chambres conventionnelles, chambres d'hospitalisation, et puis qui intervient également en atelier d'éducation thérapeutique. Et puis moi, à côté, qui suis plus sur les patients ambulatoires et puis sur la pédiatrie. Donc, tous nos soins sont gratuits et ça, on a une chance énorme d'avoir des associations qui sont derrière nous, donc Espoir Cancer qui finance le poste d'Agnès, et puis Les Bonnes Fées qui finance mon poste, et puis la Maison des Bonnes Fées, d'où la baguette magique puisque c'est l'association des Miss France, et puis l'Appel qui finance le côté pédiatrie. Puis je ne pouvais pas terminer cette intervention sans parler de l'espace bien-être un peu dans sa globalité, parce que l'espace bien-être, c'est deux socio-esthéticiennes et c'est également deux socio-coiffeuses. Donc là, on a Yveline qui a pris sa retraite dernièrement. Et aujourd'hui, qui remplace Yveline, c'est Brigitte et Patricia, donc qui vont pouvoir offrir des soins et des conseils concernant les cheveux et le cuir chevelu et qui accompagnent la perte des cheveux parfois, mais qui vont également accompagner durant tout le traitement jusqu'à la repousse. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir prôné un peu la socio-esthétique, vous avoir fait découvrir avec cette présentation, avoir répondu à vos attentes. Moi, je reste à votre disposition si jamais il y a des questions, évidemment. Et puis, je crois que je laisse la parole pour l'aromathérapie et la phytothérapie. Ça promet d'être très intéressant également. Bonne soirée. Merci beaucoup, Aurélie. Il y a une remarque dans le chat qui est de vous remercier toutes les deux pour les séances en visio que vous avez fait pendant le Covid. Vous avez su vous adapter de manière vraiment remarquable. Et finalement, maintenant, même des patients qui habitent loin peuvent bénéficier à distance également de conseils de socio-esthétique. Donc ça, c'est aussi un vrai progrès. Merci pour les patientes et les patients. Donc effectivement, je passe la parole à un projet qui était cher à beaucoup de personnes au centre Léon Bérard, qui est la mise en place de l'aromathérapie, donc avec Julien Beaureneau et Isabelle Delzano qui sont cadres de santé, et puis ensuite le docteur Couillet qui est oncopsychiatre, responsable de l'unité de psycho-oncologie, parlera un petit peu de phytothérapie. Je vous laisse la parole. Bonjour. Je viens vous parler au bout de un an de mise en place du projet. L'an dernier, je vous avais parlé un peu de la genèse du projet, de tout ce que nous avions envie de faire. Depuis un an, nous avons mis beaucoup de choses en place. Du coup, la genèse de ce projet, juste un petit rappel. Ce projet a quand même vu le jour en 2017. Il a été porté par beaucoup le docteur Mastroianni, et je le remercie, et par des membres du personnel du centre Léon Bérard, qu'ils soient soignants ou non soignants. Nous avions trois indications cibles à l'origine, c'est-à-dire tout ce qui concernait les angoisses et l'anxiété, la gestion des mauvaises odeurs et les nausées, vomissements. Nous avons, dans le cadre de l'utilisation, décidé de ne pas utiliser les diffuseurs d'huile essentielle, ne pas aller sur l'ingestion de huile essentielle, mais au contraire d'utiliser des sticks et d'utiliser des compresses. L'utilisation pour deux raisons, parce que déjà beaucoup de diffuseurs d'huile essentielle ont été abandonnés dans d'autres centres pour traçabilité, pour nettoyage, pour mauvaise dilution et en plus malheureusement pour aussi des vols, et c'est quand même du matériel qui coûte cher. Les huiles essentielles, on n'est pas allé non plus sur l'ingestion parce que c'est difficilement contrôlable et qu'il y a eu malheureusement beaucoup d'effets secondaires. La traçabilité au centre Léon Bérard, elle est
obligatoire dans un but de suivi et aussi de pouvoir gérer les stocks. Alors, en image, je vais vous présenter en haut à gauche le personnel. Chaque plateau a un petit coffret en bois que nous a remis la pharmacie avec plusieurs huiles essentielles pouvant contenir je ne sais plus combien, avec des sticks et les indications qu'on ne voit pas bien. Du coup, ces petits coffrets sont à faire personnellement par le personnel au coup par coup, suivant les indications. Donc, comme je vous l'ai dit, deux indications. À la fois, vous voyez un stick et une compresse, la compresse que l'on pose près du patient. Oui, on va enchaîner. Bonsoir. Donc, en fait, là, il y a un petit logigramme rapide. C'est pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne sur la mise en place de l'aromathérapie. Alors, comme ça, sur le papier, ce n'est pas tout à fait ça, en fait, parce qu'en fait, on intervient notamment avec la socio-esthéticienne qui intervient dans les services, notamment pour la mise en place de sticks et de compresses. Donc, dans un premier temps, en fait, on fait en quelque sorte un essai avec les compresses aromatiques par le biais de la socio-esthéticienne qui après nous fait un petit compte-rendu et nous dit bah là ça marche, ça marche pas, et quand ça marche, à ce moment-là on demande une prescription pour un stick, parce que pour tout stick il faut une prescription médicale qui sert de traçabilité. Concernant les compresses aromatiques, il y a aussi une traçabilité. Alors DPI, c'est le dossier du patient, et CrystalNet, c'est le logiciel de prescription médicale. Ça, c'est tout pour l'angoisse et l'anxiété. Pour la gestion des mauvaises odeurs, en fait, c'est notamment au moment de certains soins où il y a des plaies un petit peu compliquées, au moment de consultation pansement, au moment de l'hospitalisation. Donc, dans les deux cas, ce sont des compresses aromatiques. Et qui ont une réelle efficacité. On peut même mettre un petit peu d'huile essentielle dans l'angle du masque si vraiment c'est compliqué. Donc, comme le disait Isabelle tout à l'heure, on a commencé en fait à les mettre en place à la fin d'un copil en juin. La décision a été quand même de le mettre en place au mois de juillet, malgré les vacances scolaires et les situations qui étaient aussi compliquées au niveau du Covid, etc. Donc, on a balbutié un petit peu, on monte petit à petit en charge sur la formation progressive, en fait, dans tous les services. Et puis, l'information auprès des internes, des médecins, Dr Mastroianni aussi, qui est intervenu auprès de ses collègues. Et ça prend petit à petit. Dans certains services, ça prend plus que d'autres. En chirurgie, notamment en sénologie, ça marche beaucoup parce que les patientes arrivaient déjà avec elles-mêmes de l'utilisation de l'huile essentielle et se trouvent rassurées qu'on puisse l'utiliser aussi au centre Léon-Bérard. Alors, dans ces chiffres-là, on n'a pas tout, parce qu'en fait, on a une partie des chiffres du mois de novembre. On n'a pas les chiffres non plus, je ne les ai pas mis sur l'utilisation des compresses aromatiques. C'est un petit peu plus compliqué à extraire du logiciel. On se heurte à une petite difficulté purement organisationnelle pour la prescription des sticks sur l'hôpital de jour, où il faut trouver en fait juste la méthode pour prescrire ce stick-là et lui donner le stick au patient avant sa sortie à domicile. Donc voilà. Donc les chiffres sont un petit peu plus majorés dans la réalité. Pour la suite du projet, parce que voilà, on ne va pas s'arrêter là non plus, il y a deux autres indications qui sont en cours de réflexion. La première, c'est pour la gestion du sevrage tabagique, où ça va plus faire partie d'une étude menée par le docteur Mastroianni, et la prise en charge des nausées et des vomissements. Dont nos patients en fait souffrent beaucoup, même s'il existe des traitements médicamenteux, mais des fois le non médicamenteux ça marche aussi bien. De même, on a un soignant donc qui est parti en formation sur l'aromathérapie dans le cadre d'un DU. L'idée c'est de former progressivement les soignants et non soignants à ce DU, et ainsi que d'ouvrir une formation en interne
pour les soignants de service. Donc, ça, c'est en cours de validation par le gestionnaire de formation. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et oui, c'est tout. Voilà, merci. Merci beaucoup. Partez pas, parce qu'en fait, il y a une question dans le chat. Oui. Bon, alors, je vous la lis. Bonsoir, concernant l'aromathérapie. J'aurais aimé savoir où je peux trouver une liste fiable d'huiles essentielles interdites en cas de cancer du sein hormonodépendant. Habitant une petite ville, il est difficile de trouver un praticien qui puisse me conseiller. Et les informations sur Internet, et ça, je suis bien d'accord, sont contradictoires. Tu veux une liste ? Moi, des huiles essentielles ? Non, ouais. Contre-indiquées, en fait. Les... Qui ne sont pas des huiles essentielles qui ne sont pas contre-indiquées dans le cancer du sein. Il n'y a pas grand-chose de vraiment contre-indiqué. Isabelle, vous m'arrêtez si je me trompe, à part tout ce qui est la menthe poivrée, enfin, tout ce qui est autour de la menthe, à cause du risque épileptogène et de la toxicité hépatique potentielle. Et surtout, il faut faire attention en fait à l'utilisation et au nombre de gouttes qu'on utilise et à la fréquence et au mélange entre les huiles essentielles. En fait, il y a peu d'huiles essentielles qui sont interdites, sauf qu'il y en a qui n'agissent pas pareil et qui sont en interaction. C'est-à-dire qu'une huile ne peut pas se marier avec une autre huile. Et puis, une goutte n'égale pas 10 gouttes. Et ça... Je ne peux pas comme ça dire ce qui va ou ce qui ne va pas ensemble, parce qu'il y a un panel d'huiles essentielles énorme. Et puis, vous pouvez toujours aussi vous rapprocher de votre pharmacien d'officine, qui normalement a les clés aussi. Et puis, apportez vos questions au centre Léon Bérard à la prochaine consultation. Et effectivement, c'est très important aussi que nous, en tant qu'oncologues, on sache... quand vous utilisez des huiles essentielles, parce qu'il y a vraiment des risques d'interaction médicamenteuse avec les traitements oncologiques. Et de plus, on n'achète pas les huiles essentielles n'importe où. Il faut vraiment que ça soit dans une officine, dans des centres spécialisés, en fait. Des huiles essentielles, il y en a de partout. On peut en acheter quand on veut, quand on fait ses courses. Il faut savoir que ce ne sont pas des huiles pures et qui ne sont pas certifiées. Donc, c'est très important d'avoir un professionnel en face qui puisse répondre correctement sur la teneur de l'huile essentielle. Je crois que c'était important pour nous, au Centre Léon Bérard, de nous positionner. On sait que vous êtes nombreuses et nombreux à utiliser les huiles essentielles. On a vraiment pour objectif de vous proposer des protocoles dans de plus en plus d'indications et d'être force de conseil pour vous, en fait. Merci beaucoup à vous deux. Je passe la parole au docteur Couillet. Juste un mot, j'ai oublié de remercier quand même la pharmacie des pharmaciens, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés dans la mise en place. Merci, bonjour à tous. Donc moi, je suis la psychiatre. Je vais vous parler un petit peu de phytothérapie dans l'application des troubles anxio-dépressifs en oncologie. Alors, je voulais revenir avec vous tout d'abord sur ce qu'est et ce que n'est pas la phytothérapie. Donc, la phytothérapie, c'est utiliser les principes actifs des plantes, les principes actifs qui vont se potentialiser entre eux pour prévenir ou traiter des troubles. Elle est donc différente de l'allopathie, les médicaments classiques qu'on peut utiliser en médecine, puisque là, on va se concentrer uniquement sur une molécule. Et par exemple, en cancérologie, on s'aperçoit qu'il y a 42% des médicaments qui sont d'origine végétale. La phytothérapie, elle est différente de l'aromathérapie, comme on l'a vu. C'est aussi différent de la naturopathie. On sait qu'il y a beaucoup de patients en cancérologie qui vont aller consulter des naturopathes qui vont utiliser plein de méthodes différentes en fait, de soins pour renforcer les défenses de l'organisme par des moyens qui vont être considérés comme naturels. Mais du coup, ça englobe beaucoup de choses. Et la phytothérapie est différente de l'homéopathie. Il y a aussi beaucoup d'amalgames par rapport à ça. En homéopathie, on va utiliser des produits dans des concentration extrêmement diluée et c'est basé sur une théorie qui s'appelle la mémoire de l'eau. Donc, c'est très différent de la phytothérapie. On sait que l'utilisation des plantes à visée curative ou préventive existe depuis la nuit des temps. On en retrouve des traces dans toutes les grandes civilisations. En France, on a ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère.
Et même déjà chez les animaux, en fait, on s'aperçoit qu'ils utilisent des plantes pour se soigner. À l'heure actuelle en France, il y a une réglementation qui est quand même stricte, qui va répertorier toutes les plantes, soit dans la pharmacopée française, soit dans la pharmacopée européenne. Et donc, à partir de cela, les plantes vont être soit en vente libre, vous pouvez en trouver par exemple dans des supermarchés, ou concerner uniquement le monopole pharmaceutique. Et ces plantes, vous allez les trouver sous différentes formes. Vous pouvez avoir des infusions, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des phytomédicaments, donc ils vont être gérés par l'organisme qui s'occupe de gérer les médicaments. Vous pouvez avoir les compléments alimentaires qu'on retrouve beaucoup, un petit peu partout. Et ceux-ci sont contrôlés par la direction de la consommation et de la répression des fraudes. Mais il n'y a pas de contrôle pharmaceutique. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. La phytothérapie, elle a un intérêt, on va le voir ensemble, mais elle pose aussi plusieurs problématiques. Tout d'abord, au niveau du prix, ce sont des produits qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, qui peuvent être quand même assez chers, donc qui ne seront pas accessibles à tout le monde. Comme le disait Bénédicte, comme c'est naturel, on peut avoir une représentation erronée d'une innocuité de principe. Ça ne peut pas faire de mal, mais c'est faux parce qu'on l'a vu, il y a des principes actifs. Donc, on peut avoir des effets secondaires tout de même et on peut avoir des interactions avec des médicaments. Ce qui est embêtant par rapport à la phytothérapie, c'est qu'on a encore peu d'études scientifiques de qualité. Et il faut savoir, comme le disaient mes collègues pour l'aromathérapie, qu'il ne faut pas acheter les plantes n'importe où parce que la qualité n'est pas la même partout. On peut avoir, par exemple, des produits importés qui possèdent beaucoup moins de principes actifs, par exemple. Alors, pour traiter les troubles anxio-dépressifs, on peut utiliser les plantes, même en oncologie, mais à condition que les troubles anxio-dépressifs soient mineurs. Quelqu'un qui est très, très déprimé, qui a des insomnies majeures, avec un impact qui est important sur la qualité de vie, on ne va pas utiliser de plantes, on va utiliser d'autres techniques. Il est important aussi de garder à l'esprit que la phytothérapie ne remplace pas la psychothérapie. Il est plus conseillé de le voir comme des approches complémentaires. Il faut faire attention aux contre-indications, notamment les insuffisances d'organes. Si les personnes ont des reins ou le foie qui fonctionnent moins bien, il va falloir vraiment faire attention à la prise de plantes parce que ça va augmenter le nombre de molécules qui vont être métabolisées par ces organes-là. Et en général, il faut essayer de ne pas associer les prises de plantes à des psychotropes. Il faut garder à l'esprit aussi que certaines plantes peuvent avoir des effets sédatifs. Donc, si la vigilance doit être maintenue en journée, il faut faire attention, notamment pour la conduite automobile. Et toujours, voilà, demander l'avis du médecin généraliste, prévenir l'oncologue de la prise des plantes. Et il faut savoir qu'il y a des pharmaciens en officine qui proposent des consultations de phytothérapie. Alors, pour l'anxiété ou le sommeil, je vous ai sélectionné 6 plantes pour lesquelles on a quand même quelques travaux. Vous avez là au milieu le pavot de Californie, l'esclodia, qui est intéressant. En fait, il va se fixer sur les récepteurs GABA et sérotonine. C'est les récepteurs en fait, qui vont être ciblés quand on prend des médicaments contre les angoisses. Donc, c'est un médicament à petite dose qui est anxiolytique et sinon qui peut être plus sédatif pour les troubles du sommeil. On peut utiliser aussi à droite, là, vous voyez la mélisse, qui a un effet aussi apaisant et qui apaise aussi par rapport aux troubles dyspeptiques qui peuvent être en lien avec l'anxiété. La passiflore aussi qu'on utilise beaucoup en une prise le soir, qui permet vraiment d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Vous avez aussi le tilleul, qui serait une des rares plantes qu'on pourrait donner aux enfants pour l'anxiété, les troubles du sommeil. La valériane, aussi une des plantes que je prescris le plus, parce qu'elle améliore vraiment le sommeil. Il faut faire attention à un tout petit effet hypotenseur, mais qui est très, très léger. Et bien penser à l'arrêter avant l'anesthésie. Et on a aussi dans la littérature beaucoup l'aubépine, mais je la prescris peu parce qu'elle a des effets cardiotoniques, donc sur le cœur, des effets hypotenseurs. Donc, on va quand même essayer d'éviter pour les patients qui ont d'autres traitements et où il peut avoir des interactions médicamenteuses et poser des problèmes au niveau cardiaque. Pour l'aspect plutôt dépressif, vous allez retrouver beaucoup dans les supermarchés le millepertuis.
C'est la plante pour laquelle on a le plus d'études pour la dépression. On retrouve que des résultats vraiment satisfaisants. Là aussi, toujours y penser seulement pour des dépressions mineures, hein, pas pour des tableaux sévères. C'est une plante qui va agir sur les neurotransmetteurs concernés dans la dépression, en fait, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. Mais le problème de cette plante, c'est qu'elle interagit énormément avec les autres médicaments. Elle les empêche de fonctionner. Donc, elle peut empêcher de fonctionner un anticancéreux. Elle empêche de fonctionner la pilule contraceptive. On a ce qu'on appelle les bébés millepertuis. Et c'est important de ne pas l'associer aux antidépresseurs parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome sérotoninergique. Donc, c'est des personnes qui vont faire des malaises, qui vont avoir des troubles de la vigilance, des diarrhées. Et voilà, un syndrome qui peut aller jusqu'au coma. Donc, le millepertuis, c'est très bien, mais je dirais pas en cancérologie. D'autres plantes qui peuvent être intéressantes pour la dépression, on a le safran. Donc, on va utiliser juste le pistil. Il y a beaucoup d'études là, qui se sont développées au début des années 2000 qui montrent que ça a vraiment un intérêt. Celle-ci, par contre, on peut l'associer avec les antidépresseurs. Après, le problème du safran, ça reste quand même le prix. On a aussi la griffonia, que vous voyez là à droite, espèce de gros haricot, une plante qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui a à la fois des propriétés anxiolytiques et un effet antidépresseur. Et qui est aussi qui contient aussi un précurseur de la sérotonine, donc l'un des neurotransmetteurs dont on a parlé tout à l'heure, qui est impliqué dans l'humeur. Donc voilà, en conclusion, je pense que la phytothérapie, elle peut être vraiment intéressante en cancérologie pour les soucis d'insomnie, d'anxiété et des dépressions vraiment légères. Mais voilà, on a encore des bases scientifiques qui sont fragiles. Comme pour les médicaments, il existe aussi un effet placebo, en plus des propriétés vraiment spécifiques de ces plantes. Toujours garder à l'esprit que prendre des plantes n'est pas anodin. On peut avoir vraiment des effets néfastes. Il faut toujours en parler aux pharmaciens et à l'oncologue. Et je voulais juste terminer sur ce questionnement, parce qu'on trouve vraiment des compléments alimentaires partout. Tout le monde en prend, que ce soit en population générale ou en cancérologie. Dans une espèce quand même de course à la performance, on va avoir l'impression de tout pouvoir maîtriser. Donc voilà, juste, je pense, pouvoir se questionner par rapport à ça et ne pas avoir tout de suite le réflexe de prendre un complément alimentaire dès qu'il y a un petit souci. Il faut que ça reste quand même, à mon avis, une pratique pensée, réfléchie. Je vous ai mis à la fin des références qui peuvent être intéressantes pour vous, notamment l'association francophone des soins de support qui a fait des référentiels sur la phytothérapie. Ça peut être intéressant pour vous en tant que patient ou en tant que soignant. Voilà, merci. Merci beaucoup, Audrey. Merci à tous les participants. Alors, j'essaye de trier les questions. Du coup, on va commencer par une question sur la phytothérapie. Pourquoi ne pas donner de plantes pour booster l'immunité ? C'est le début du. Je pense que la personne veut dire c'est le début de la prise en charge. Point d'interrogation. Alors moi, du coup, ce n'est pas ma spécialité, hein, l'immunité, mais de ce que j'ai vu dans les référentiels AFSOS, c'est qu'il n'y a quand même pas d'études qui montrent qu'il y a quelque chose qui est vraiment efficace, en fait. C'est pour ça que les médecins ne les donnent pas. Il y a certaines plantes, quand même, qui vont avoir des interactions médicamenteuses. Je pense qu'après, si les patients veulent vraiment en prendre, il faut vraiment aller voir des personnes spécialisées dans la phytothérapie et vraiment évoquer la question avec l'oncologue. Oui, ça c'est certain. Alors, il y a une question pour le docteur Martel Lafay sur son côté radiothérapeute. Et je pense que dans les participants, beaucoup se posent la question. Alors, nous n'en avons pas parlé ce soir. Nous choisissons de parler de thérapies complémentaires qui font l'objet de diplômes universitaires, d'études, de recommandations, etc. Mais quand on croise un radiothérapeute, en général, on lui pose la question du coupeur de feu. Donc, ce soir, ça n'a pas coupé. Que penses-tu, Isabelle, de la technique de couper le feu ? Alors, effectivement, c'est un sujet qui est abordé par pratiquement, je dirais, entre 3/4 et 90% des patients en radiothérapie. C'est vraiment un sujet très, très vaste et très, très fréquent.
dans tous les milieux socioculturels. Moi, ce que je réponds toujours quand on me pose la question, c'est un, que je n'ai pas de formation dans le domaine, que deux, il n'y a pas d'études dans le domaine, donc je ne peux pas donner de réponse scientifique et claire. Une fois que j'ai dit ça, en général, les gens ne sont pas beaucoup plus avancés. Donc, de mon point de vue, ce que je leur dis, c'est que s'ils connaissent quelqu'un qui le fait gratuitement ou pour pas grand-chose, parce qu'un des grands risques, c'est tomber sur un charlatan qui demande des sommes exorbitantes, alors que les gens qui font ça parce qu'ils ont un don, le font soit gracieusement, soit pour pas grand-chose. Donc déjà, ça, c'est une des premières choses à avoir à l'esprit. Et la deuxième chose, c'est que, ma foi, s'ils connaissent quelqu'un qui le fait spontanément et contre pas grand-chose, pourquoi pas? Moi, je ne m'y suis pas opposée. Alors après, j'ai discuté avec des collègues radiothérapeutes, parce que les pratiques sont quand même très, très variables d'un endroit à l'autre, et même à l'intérieur des mêmes équipes. J'ai des collègues plus jeunes qui, eux, poussaient la réflexion plus loin en disant « Oui, mais si c'est efficace contre les effets indésirables et les rougeurs, les brûlures, c'est peut-être aussi efficace contre l'effet des rayons à visée anticancéreuse. » Et du coup, qui au contraire, eux disaient « Non, il ne faut pas du tout utiliser parce que ça peut diminuer l'efficacité des traitements. » Alors, on n'a pas du tout non plus d'études qui montrent ça. Donc moi, je reste plutôt sur une position assez neutre en disant, si vous trouvez quelqu'un qui le fait parce qu'il a un don et qui ne vous demande pas des prix exorbitants, pourquoi pas? Et il faut savoir qu'il y a certains services de radiothérapie en France qui ont des listes avec des noms, ce qu'on s'est toujours refusé à faire ici, parce que ce n'est pas une thérapeutique validée et qu'on n'a pas d'études sur le sujet. Après, j'ai quand même aussi en tête quelques exemples de patients pour lesquels on se disait la tolérance va être difficile et qui finalement ont bien supporté les traitements. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était pas ça? Est-ce que c'est un effet placebo? Nul ne sait. Voilà, je n'ai pas donné de réponse très claire, je pense, mais à mon sens, on ne peut pas en donner. Merci. J'en profite pour dire qu'on a mis à jour le livret des soins de support et des thérapies complémentaires que vous pouvez demander quand vous venez au centre Léon Bérard et qu'à la dernière page, on a mis une liste de signaux d'alerte qui doivent vous alerter sur tel ou tel thérapeute de thérapie complémentaire. Alors, je fais défiler les questions. Il y en a une sur le shiatsu. Est-il contre-indiqué pour les malades du cancer? Alors, là, on n'a pas de spécialiste du shiatsu sur la Réunion, mais il a été longtemps contre-indiqué et les massages ont été, dans leur globalité, longtemps contre-indiqués chez les patients qui avaient un cancer évolutif. Ce n'est plus le cas. Nous, on a une kiné qui fait de l'acupression. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la recommandation, c'est toujours la même, c'est d'aller voir un praticien diplômé, de se renseigner, de vérifier qu'il n'y a pas un petit peu tous les warnings dont on peut vous parler, et puis d'aller voir un praticien qui prend des précautions, qui vous pose des questions sur votre cancer, sur éventuellement les sites métastatiques, etc. Alors ensuite, il y a une question pour Aurélie. Une association récente sur les patients atteints de cancer du poumon de forme rare. Donc, comme je suis pneumologue, je pense que c'est l'association pour les patients ALK et ROS, probablement. Est-ce que vous accepteriez de faire des séances en visio pour ces patients? Donc, peut-être qu'ils se mettent directement en contact avec toi. Aurélie est partie. J'arrive, pardon. L'association de patients qui demande des séances en visio. Eh ben, oui, éventuellement, le plus simple, ce serait peut-être de me contacter et qu'on puisse voir ça ensemble. Mais après, je ne suis pas fermée à l'idée. Parfait, merci. Alors, il y a une question sur la gémothérapie. Alors ça, nous, on ne peut pas du tout vous éclairer là-dessus. Ça fait partie des traitements qui ne sont pas du tout reconnus. Donc, on ne peut pas vous répondre. Moi, j'avais reçu une question sur le Reiki.
Le Reiki, c'est pareil. Nous, pour ce genre de technique, on renvoie soit aux médecins de médecine traditionnelle chinoise avec qui on travaille, soit aux enseignants d'activité physique adaptée qui peuvent vous répondre. Je descends les questions. On nous pose une question. Est-ce qu'on a comme projet d'inclure les psychomotriciens ? Alors, on a plus qu'un projet, puisqu'on a depuis 2 ans une élève psychomotricienne qui vient et qui fait sa formation de dernière année dans le service de médecine palliative. Donc, c'est un projet qui est en cours. L'auriculothérapie, c'est ce que fait notre médecin acupuncteur. Voilà. L'acupuncture, je descends les questions. Donc, un témoignage d'une personne sur la question des plantes qui stimulent l'immunité, qui nous dit que son oncologue et que l'oncopharmacienne de son hôpital lui ont formellement contre-indiqué. Elle dit éviter donc échinacées, champignons, notamment d'ascendance asiatique, shiitake, encore moins pendant les chimios. Et avez-vous un acupuncteur ? Oui, c'est le docteur Renard. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre attention. On a besoin de vous pour continuer à développer les thérapies complémentaires, à maintenir l'offre existante et on reviendra vers vous. Peut-être peut-on rêver sous un format présentiel l'année prochaine.